Salut, salut les potos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Ça rigole pas, je suis sur Borderlands 3, déjà un deuxième patch, ils sont taqués, ça c'est un big patch, ça va faire mal. Celui-là il fait mal, il faut vraiment que tu sois au courant, donc c'est parti. On a un gros nerf de flak, hein, donc il est tout en bas, donc lui ça picote, donc son guérilla in the mist est réduit de 8 à 6 secondes, donc ça c'est quand même... Ça fait quand même plutôt pas mal. Et le bonus de dégâts de guérilla in the mist est réduit de 50% à 25%. C'est un sacré nerf. Hein. Donc ça fait mal. Mais on s'y attendait tous. Flak était trop pété. On le savait. One-shotter les boss. Voilà. On s'en doutait. On a kiffé. On s'est stuffé. Maintenant, il fallait rééquilibrer tout ça. Deuxième chose, Amara, restauration de santé de Ange Gardien qui passe de 100 à 50, pénalité de dommages de glamour réduite de moins 30% à moins 10%. C'est pas déconnant, ça va pas changer notre life. Zen, gros buff, augmentation des dommages du Digiclone de 38%. Je sais pas si vous imaginez, 38% c'est complètement pété. Dommages du drone augmenté de 50%, c'est énorme. Plus de pénalités pour les cryobulettes. Les dommages de drone sont augmentés de 50%. Et ceux de Amity, ordonnance requête, augmentés de 75%. Autant dire que les zen qu'on ne voyait pas, ils vont faire le café. Donc ça tombe bien, j'en ai monté un 50 il n'y a pas longtemps. Le fossoyeur, le dernier boss du jeu. Les attaques du boss vont se caler en fonction du niveau du joueur. Santé réduite de 20%. Donc ce sera moins un boss poteau, mais du coup il sera, entre guillemets, moins long à tuer. Par contre, ils ont augmenté les résistances aux dommages élémentaires. Donc, on verra en concret ce que ça donne. Ils ont nerfé le Queen's Call et le King's Call. Cadence de tir diminuée de 50%. Ça fait vraiment mal. Le temps de charge du Firestone Storm passe de 2 secondes à 1 seconde. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a beaucoup de up et de nerfs sur les armes. Donc, gros up sur les snipers. Dégâts critiques augmentés de 20%. Cadence de tir augmentée de 15%. Le temps pour viser précisément est réduit de 15%. Le temps d'équipement est réduit de 20%. Alléluia! Putain, t'avais l'impression de lever une machine à laver sur ton épaule. Donc ça, ça fait plaisir pour les joueurs de sniper. On va pouvoir placer 2-3 headshots tranquillement. Pour les pistolets, dommages augmentés de 15% pour les Tedior. Dommage augmenté de 15% pour les pistolets DAL. Dommage augmenté de 20% pour les pistolets Children of the Vault. Dommage réduit de 15% pour les pistolets Jacobs. Ça fait mal au cul pour les Jacobs. Dégâts réduits de 10% pour les pistolets Torg. De toute manière, tout ça, c'est des réajustages qui étaient nécessaires. Ça, on le savait, il y avait 2-3 armes qui étaient complètement fumées. On l'a bien vu, et c'est pour ça que je ne vous ai pas de suite fait, comme tous ces youtubeurs, ouais, je vous fais un top 10 des meilleures armes. C'était sûr que ça allait être patché, les enfants, j'aurais pu vous le faire plus tôt, et c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu. Les patchs sont arrivés, les nerfs sont arrivés, c'est rééquilibré, et maintenant on va vraiment pouvoir parler, faire des vrais focus sur les armes et voir ce qu'il en est. Toutes les armes Maliwan voient leur dommage augmenter de 25%, c'est beau. Toutes les armes Maliwan voient leur cadence de tir augmenter de 20%. Gros up des armes Maliwan. Les dommages occasionnés par les armes Atlas sont augmentés de 25%. Gros up pour les armes Atlas. Autre ajustement, les dommages occasionnés par les fusils d'assaut Jacobs ont été augmentés de 20%. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les dommages des SMG DAL ont été augmentés de 10%. Bonne nouvelle. Les armes lourdes Vladov ont le droit à un boost de 20% de dommages. Ça fait plaisir. Et les fusils à pompe ETEC Tedior voient leur dommages augmenter de 50%. Ça va être super sympa. Donc, que dire de ce patch? Très très bon patch. On voit que ça bosse dur. Et ça fait plaisir. Ils ne se touchent pas la nouille. Ils sont vraiment en train de peaufiner ce jeu, en train de l'améliorer. J'ai vraiment hâte d'avoir les prochains DLC. Voilà. Là, je prends du temps pour te faire toutes ces vidéos. Je t'en ai fait une ce matin sur le patch d'hier, je t'en fais une en temps réel sur ce patch d'aujourd'hui. Mets un petit commentaire, un petit pouce, ça aide le référencement. Je prends du temps, je ne gagne pas d'argent, c'est vraiment pour la communauté que je fais ça. Donc s'il te plaît, un petit commentaire, c'est la moindre des choses, un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir. Je te dis à bientôt, ciao ciao poto.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.